C'était en juillet dernier. L'ambassade de France à Niamey était ciblée par des émeutiers. 4 mois plus tard, c'est officiel. Paris a fermé mardi sa représentation au Niger. Une mesure rarissime prise par le Quai d'Orsay qui évoque la pression exercée par la junte. Notre ambassade subit de graves entraves rendant impossible l'exercice de ses missions. Blocus autour de l'ambassade, restriction des déplacements pour les agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques qui devaient rejoindre le Niger. Un départ des diplomates après celui des derniers militaires français présents dans le pays le 22 décembre. Ambassadeur expulsé, accord militaire dénoncé. Depuis juillet dernier et le coup d'État à Niamey, les relations entre Paris et son ex-partenaire au Sahel sont exécrables. Si la France tente depuis d'isoler la junte, celle-ci peut compter sur le soutien de la Russie et des putschistes au pouvoir au Mali et au Burkina Faso. Au niveau régional, la conciliation a succédé aux condamnations. Après des mois de bras de fer avec la CDAO, le ton des dirigeants ouest-africains qui doivent composer avec un contexte sécuritaire dégradé par les violences djihadistes s'est considérablement adouci. Il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. De leur côté, les États-Unis et l'Allemagne restent présents militairement au Niger. Le 19 décembre dernier, Berlin envoyait même à Niamey son ministre de la Défense pour y renforcer la coopération malgré les sanctions de l'Union européenne contre la junte. Autant d'États soucieux d'éviter de laisser le champ libre à la Russie en maintenant leur présence. Fort contraste avec la position française, de plus en plus isolée sur le dossier nigérien.